Yo tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, avec une team très toxique, une team qui date de, ouais, peut-être, depuis Ghost of War en fait, tout simplement, donc en gros, ça fait 4 mois sur la GP. À l'époque, elle était très très forte vu qu'il n'y avait pas The One. Là, vu qu'il y a The One, la team elle est plus beaucoup jouée, mais j'ai quand même envie de la jouer. C'est vraiment cette team, les gars, elle était vraiment très très forte à l'époque, très très toxique. Je vais quand même la jouer, comme j'ai dit, donc je vous montre la team, les gars. Hop hop hop. Voilà donc Team, Elisabeth, Gozer, King et Mayenanceux pour avoir l'espérance rapidement. Team classique. Avant l'époque tu mettais Gozer rouge. Donc la team c'est à quoi? C'est la King Bef, on l'appelle la King Bef. Donc en gros bah t'as le stun de Elisabeth, le shield. T'as le heal de King et t'as les pétri. Donc bah c'est totalement craqué hein. Clairement les gars c'est totalement abusé ces teams à l'époque. Comme je dis actuellement cette team n'est plus du tout viable pardon. Pour la simple unique raison que y a The One qui one-shot King, qui one-shot Elisabeth, et voilà, on n'en parle plus. Hein. Donc, cette team, généralement, à l'époque, je jouais avec item SP. Hop. Moi, je jouais avec un item SP, donc le but de rusher la SP. Ce King, en vrai, il peut one-shot. Hein. Vu qu'il y a Gozer Vert, tu fais énormément de dégâts. Hein, parce que Gozer Vert, là, son passif, le meilleur passif du jeu. Hein. Donc, on va voir si on va fight des gros mecs, des peu. On verra. On verra. Quand je dis gros mec, c'est par exemple des teams de bots, bien sûr, tu vois, bon, là, est-ce que c'est beaucoup de CP? Ok, nice, je comprends, oui. On peut partir en SP T1. Dès le début, on peut partir en SP. On peut faire ça, on part en SP. On met quand même le shield, on va prendre trop cher. Je te dis, le défaut de ces teams, c'est que tu fais one shot trop facilement. Hein. Genre vraiment. Aïe, ça part, hein. Pas de chance avec King en vrai. Tu vois les cartes qu'il utilise. Gozer. Ok. Sérieux, donc moins une carte. Moins deux. Ok, donc on va stun Escanor. Il y aura ces deux cartes, plus trois cartes qui arrivent. Donc j'espère qu'il y a plusieurs cartes. On va juste faire ça. Hop. Comme ça, on aura deux SP. Ça peut. Ça partir sur des gros bonnes choses, quoi, tout simplement. On va faire quand même le up. Comme ça, après, on aura un heal. Hop. Donc là, il y a deux cartes de base, donc j'espère qu'il y a trois cartes minimum. Ok, une Lucky. J'espère que c'est pas du Sariel en vrai. Si au moins je suis dans la merde. Mmh. Oh non. Sérieusement? Je peux avoir one shot. Okay. Et prends. T'as vu les dégâts que je prends? C'est un délire en vrai. Bon là, bizarrement, full Escanor, hein, tu sais. Bon. Mais il est à la fin pour ce full heal. Donc, voilà l'aspect de King, là, il y a 3 passifs, 3 stacks de gauche, je crois. Ou 4. Ah bah, ça fait mal, hein. Ça pardonne pas, hein, King. T'as la merge encore, hein. C'est grave, hein. En jeu, j'ai vraiment pas de chance, hein. Il y a un HP, bon, c'est pas grave. Tout à Elisabeth qui arrive, donc tranquille. Ça, on va rien faire. Hop, full heal. C'est oui. Quand King il crit avec son heal, t'es full vie quoi. Tu savais pas frérot. Bon, ok, bon là clairement c'est fin de game. Bon, toutes les fusions d'Elisabeth. Ça va? Non, je vois pas qu'elle va stun, Maëly. Oh mais gros. Là j'ai vraiment une vie de merde en fait. Hein. Bon. Bon. Juste pour que le revive, hop. Ah, on va pas le proc, pardon. Ok. Pas avoir le proc, mais je vais jouer Gozer en fait. Ok. Bah nice. Bon délire du coup. Eh vraiment Elisabeth les gars elle est arrivée. Elle a eu 3 milliards de fusion. Franchement Elisabeth pire perso du jeu. Oh mais frère. En fait tu veux mon cul le bot là non? What the fuck on fait? Mmh. 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 De toute façon, incroyable. Shield level 3, c'est level 3 encore. Ouais, shield level 3, ok. Oh, c'est bon, à un moment donné, faut aussi que t'arrêtes un peu. Hein. C'est quoi cette chance en fait? Attends, vous avez vu les gars, toutes les fusions qu'elle a eues là? Ah ouais!
Bah juste stun en fait. Ah mais c'est quoi en fait de ma malchance là clairement dans la game? La game elle va durer 10 ans à cause de ma malchance en fait? Sérieusement? Ah mais frère, c'est trop en fait. Bon délire du coup. Bon délire, bon délire. Et bon toi tu toi ouais. Moi ça m'arrange. Plus de terminer la game, plus vite content. Hop ça dégage. Vous faites voir les stats de King en vrai, je j'ai pas regardé. Ah tu as 19 000 d'attaque avec son passif plus 15 000. Comme des bonnes stats en vrai King hein. Le seul bémol c'est que c'est rescrit. Mais il a 24% de rescrit. Enfin, pour ça tu te dis wow. Voilà speed gozer. Il n'y a pas crit. Gozer, par contre, en ce moment, il y a vraiment la flemme de crit. Hein. Je sais pas, mais. Ok, why not. Hein. Bon, là, c'est terminé, les gars, le combat. Hop, hop, hop. Okay, nice. J'ai cru que j'allais encore mettre un HP, parce que vraiment, aujourd'hui, les gars, c'est pas mon jour. Hein. En termes de non-luck, on est vraiment haut. Hein. Enfin, c'est un délire, quoi. Ok, let's go. Bon, deuxième combat. En vrai, je sais pas si je vais faire plusieurs combats. Parce que, comme je te dis, c'est une team toxique. Donc en vrai les combats ils peuvent durer 10 ans, comme ils peuvent durer genre 3 minutes si t'as vraiment full speed, tu vois. On verra. Je vais te fighter un bot et que le bot il commence en premier. Ou un vrai mec comme ça il m'arrache avec Zone pour te montrer vraiment que The One il détruit littéralement cette team quoi. Genre The One vraiment c'est le némésis de cette team. Hein. C'est... Pff, bref. Ok. Je sais pas, il va faire quoi lui, mais. Ok, why not. Hein. Oh, shield level 3. Interesting. Oh, parce que c'est un shield level 3. On va juste tenir Elisabeth. On mettra notre spé tranquille. Ça avait 3 cartes, Elisabeth. Hein. C'est grave en vrai, elle arrive. Toujours de la chatte, hein, Elisabeth. Hein. Moi, Elisabeth, je sais pas, c'est le perso qui me saoule le plus actuellement dans cette DS en fait. Je sais pas, toi, c'est quel perso qui te saoule le plus dans cette DS actuellement. Moi, en tout cas, c'est. C'est Elisabeth. De très très loin. Hein. C'est vraiment le shield level 3 et ma carré. Hein. De toute façon, il n'y a pas Gozer Vaxta, du coup, je suis quand même bien, tu vois. Tranquille. Après, ma Speed King, ça sert à rien. Vu qu'elle revive et tout. Pas utile. Peut-être faut que j'ai ma speed gozer pour être bien. Là je réduis les jauges. Trop important de réduire les jauges. Sauf qu'il y a LV etc. Il part en SP. Moi je limite je suis mort quoi. Littéralement c'est ça. Ok bonne main. Pour stunner Elisabeth. Ok. Bon elle comme d'habitude hein, les stun stun stun. Okay. Un stun. L'habitude. On a de 12 P les gars. On stun Ellie parce qu'elle est beaucoup trop chiante. Comme d'habitude, on stun Elisabeth. Je sais pas il y a quoi ce soir mais je fight que des Elisabeth full luck en fait. Le pire c'est que le mec. Enfin là je fight que des bots mais les mecs c'est full chat en fait. Et bon le bot il va faire un petit suicide là. Prendre cher hein. Un petit suicide de la part du bot. Il a vraiment deux de cuisse bot hein. Ah bah la revive du coup il n'y a plus de revive maintenant. Nice. Ouh, 41 000 quand même. Il n'y a pas crit hein. Il y aurait crit bon petit 80k là. Je serais parti. Voilà spec deux types bleus. Pas deux types neutres. Voilà spec king. Donc là on est full passif je pense hein. T'as quand même les dégâts hein. 150 000 et 139 000 je peux voir hein. Sans crit. C'est vraiment très important de dire sans crit. En fait, c'est Killzop, c'est Sariel. Donc, c'est un team bizarre, ok, non, Zeldris. Bon. Ok, pourquoi pas. Oh, il me casse même pas, c'est étonnant. Bah, j'ai pas une masse peur, ouais, je vais juste finir rapidement, je vais faire ça. On va faire ça, hop. Problème de perdre du temps, ouais. Et bon, elle crit même pas pour monter Elisabeth là. Crit un peu comme ça, bon, un pixel je parie.
Ok, non, tranquille. T'as la perte de temps en vrai, c'est incroyable. Genre vraiment toutes les games, je mets tout le monde à un pixel, etc. Enfin c'est... Après, je joue tout en bokeh, bon, on remet l'aspect. Bon, crit Gozer, même si crit sur Ezeldry, c'est quand même très compliqué. Ok. 23 000, mauvais type, pas de spé modifié. C'est quand même mal, de toute façon Gozer les gars. Ça spé, surtout quand je suis aspect 6, le perso il peut éclairer tout le terrain. C'est vraiment très très fort, hein, on peut se cacher. Très très fort. Hein. Hop. Tu sais quoi, en vrai, je vais peut-être changer d'item. Hein. Non, tu sais quoi, je vais garder l'item spawn en vrai. Je mettais un item de vie, mais en vrai, pff, ça change rien. Presque pas en vrai. Donc en vrai, tranquille. Vraiment, cette team là, faudrait vraiment que je fight un mec qui joue là-bas, la team classique. De toute façon, avec Gozer VR, The One, Elisabeth. Et vraiment que le bot il y ait beaucoup de cartes de The One. Ou soit fight un mec, en fait, un vrai mec, et tout simplement, en fait, de chercher à chaque fois les bots. Et c'est peut-être un vrai mec, une Merlin. Bon, la team que je te parle depuis tout à l'heure. Et bot. Bon, pourquoi tu es avec des bots ou quoi ce soir? En ce moment, je sais pas, je fight énormément de vrais joueurs et là. J'aime le jeu, non? J'ai fait exprès de pas stun le scout pour se montrer les dégâts que je vais prendre. Prochaine la Elisabeth, parce que depuis tout à l'heure, tu connais. Hein. Elisabeth, elle me rend ouf. En plus, 3 cartes, encore une fois. Je sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui, mais. Je sais pas. Je suis abonné aux 3 cartes, je crois. Ouf, ouf. Attends, le up là, c'est moi, il va up Escanor. Ouh, attention. Oh. Ouais, d'ailleurs, je vais prendre. Hein. Ce mec, c'est un bot, y'a pas beaucoup de stats. Bon, ok, bon. Y'a pas crit, mais quand même 80 000 bientôt. Enfin, 70 000 plutôt. Donc là, on va faire ça. Cola stun. Hop. On enlève le petit des veuves de go pour pas de chance spé. Hop, hop, hop. T'as vraiment la Ellie qui est pas stuff, tu sens. Hein. T'as 4 cartes quand même. Wow. Abusé. 4 cartes. Pou, pou, pou. Oh. Attends, attends, attends. Y'a une carte d'escalade qui arrive là. Oh. Ah, y'a pas crit. Allez, et... Ouf. Je prends trop cher, c'est un délire en fait. On va faire ça. Aston. Ça j'ai quand même aspect d'Elisabeth. Au coup si tu peux, de toute façon là il y aura le revive. Je sais pas, tout le monde fait voir. Okay, bon l'aspect bro était vraiment OP, what the fuck. Oh l'aspect elle a dégommé le terrain. Bon du coup il y avait 4 cartes en main. Peut-être 5 maintenant. Ok bon elle est morte du coup. Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai d'avoir tué là. Oh The One Fusion. Oulala, oulala. Je sens mal. T'avais pas pour qu'on revive. Oh. Oh une carte level 3. C'est bon bah. Elisabeth elle est morte. Oh la chatte. C'est vraiment de la chance. Hein. Il y aurait crit, je serais mort quoi. T'as vu à quel point comment je peux me faire vite victime en vrai? Un délire en vrai. Hein. En vrai, on va quand même le stun, on sait jamais. Je pourrais être risqué. On met l'aspect, on met le shield comme ça avec l'aspect de Scanner, il va se suicider. Il va jamais moins de shield, de toute façon, c'est un bot qui a pas beaucoup de CP. Quoi, on peut voir les dégâts là, mauvais type. Oh, 32 000. Bon après King est pas là pour faire des dégâts sur ses skills, hein. C'est sur l'aspect qui fera énormément de dégâts. Le reste en vrai c'est pas oufissime. Oh, vraiment c'est pas ouf. Allez Scanner, suicide-toi. Allez allez. Bon toutou. C'est de la 6-6. Ok bon. Tueur hein. Ouf. Tueur sur le front là. Aïe 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 hein. Bon, en vrai, élevé, je termine tranquille. Hein. En plus, regarde les fusions qu'il y a, quoi. Hop, fais voir les dégâts. Elisabeth, en vrai, fait énormément de dégâts. 34 000, ok. Et 53 000. King, fais voir. Eh, King, il crit quand même beaucoup, en vrai. Je crois qu'il y a 70% de chance crit. Contre la main full heal, là, je suis pas un médic, les gars. Hein.
Ah, il crit beaucoup en vrai, Rogan. Il a fait. En gros, je crois que c'est 4 hits. Il a fait 3 hits sur 4 en crit, quoi. Parce que mon clean, ouais. Bon, dommage, les gars, on n'a pas fait de vraiment gros joueurs, tu vois. Mais ça, malheureusement, j'y peux rien. C'est, bah, c'est le PVP sur le jeu. Hein. Le PVP sur le jeu, il est. Un peu bizarre, quand même. Donc voilà, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est vraiment une vidéo rapide sur cette team. Clairement, moi, mon avis sur cette team actuellement, ne la joue pas. À part en vrai, à bas niveau, tu peux peut-être la jouer. Si genre tu commences en or et t'as vraiment des stuff de ouf, vu qu'or les mecs, généralement c'est pas non plus des lumières, tu vois. À part des fois tu fight des waves, mais c'est. Ouais, je crois que c'est un peu rare quand même maintenant. À l'époque, j'en rappelle, on fightait quand même beaucoup de waves, enfin bref, peu importe. Tu peux jouer cette team, tu peux essayer de monter avec, mais je te dis, elle a quand même énormément de défauts. Faut déjà que t'es King Bleu C6. Bon, normalement, tu l'as C6, tu vois, à part si tu commences le jeu. Elisabeth, à la limite, tu l'as pas monté en SP, c'est pas grave. Gozor, si c'est pareil. Sous King qui fera énormément de dégâts en SP. Donc voilà, team vraiment toxique, contrôle, etc. C'est vraiment, bah, c'est une team quand même très très puissante. Je veux dire, à l'époque, elle était ultra forte. C'est à l'époque, t'avais pas S14 One, là, actuellement, t'as The One, donc c'est beaucoup trop fort, The One. En vrai, les gars, c'est un délire. Donc voilà, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous laisse. Bonne soirée, bonne app, bonne journée. Voilà, vous connaissez les bails comme d'habitude. Moi, je vous laisse, bonne app. Tchuss.